Dans Origine, chapitre 13, versets 1 à 4, il est dit ici, de Wassepongo, donc Afrique du Nord, Sango retourna à Wassemutonga, Afrique centrale, avec sa femme et tous ceux qui lui appartenaient. Son neveu Mbati l'accompagnait. Dans Origine 13, verset 1 à 4. Dans le verset 2, il est dit ici, Sango était puissamment riche en troupeaux, en argent et en or. Et il alla vers Mudongoma, Midima et Lobam, donc montagne des esprits célestes, qui est située dans le sud-ouest de Longanapi. Et là, virgule, Sango se mit à invoquer le nom de Loba. Voilà ce qu'on vous a caché. Donc, ils sont venus en Afrique. Ils ont pris les copies des copies que les non-initiés ont copiées de la vraie version. Après, en fonction des peuples, des langues, ils sont allés modifier. Ils sont allés changer. Jusqu'à ils arrivent dans le peuple Douala. Ils disent, les missionnaires viennent. Ils voient qu'il y avait un illustre personnage, on va dire comme ça, qui était en train de prier, dont il invoquait le nom de Loba. Et eux, maintenant, quand ils ont entendu cela, ils ont cru que, vu qu'il a levé la tête, il est en train de prier, ils se sont déduits. Ils se sont dit à l'intérêt d'eux que forcément, il est en train d'invoquer. Maintenant, ça se traduit, ils vont dire le ciel. Ils sont en train d'invoquer Dieu. Parce que eux, chez eux, là-bas, on va dire comme ça, en Europe, ainsi de suite, Ils étaient accoutumés à invoquer les faux dieux. Donc, les dieux inventés, les dieux ainsi de suite, des religions qui te révélaient. Ils ont directement associé que dans le peuple original, on disait Loba. Et quand on priait, deux fois, on invoquait, on lève la tête en haut. Ils se sont dit, mais si les soi-disant les dieux à eux, habite dans le ciel ou habite sur les montagnes, sur les palais, peu importe, ou dans l'univers, ou sont assis sur le trône, forcément le Dieu, forcément celui qui s'entend d'invoquer là, c'est toujours Dieu, mais c'est un autre nom. Et voilà comment ils ont traduit ces premiers récits-là pendant la corruption. Et ça, c'est faux.